Le préfet de Koubia a été accueilli ce jeudi matin à Niakaya, une localité relevant de la commune rurale de Pilimini. Cette visite de l'autorité préfectorale de Koubia à Pilimini intervient 4 jours après des dégâts matériels considérables causés par une violente tornade qui s'est abattue sur la localité. On a constaté, en compagnie des forces de défense et de sécurité de la société civile, de représentants de la Croix-Rouge et du secteur national des affaires religieuses, ce qui s'est passé ici, c'est vraiment déplorable. L'on se rappelle que dans la soirée du lundi, une violente tornade a fait un blessé grave, actuellement en traitement à l'hôpital régional de l'Abbé, détruit 12 maisons et 19 cases. Devant la population sinistrée, le préfet de Koubia a promis un appui très prochain du gouvernement de la transition à travers son service compétent. Nous savons que le gouvernement, quant à lui, prend toutes les dispositions à travers Angus, qui se déplace sur le terrain et dès la survenue de la catastrophe, nous avons informé les autorités, la direction générale de Angus, qui a promis faire quelque chose le moment venu. Il convient de signaler que cette tornade a touché aussi 2 autres localités voisines de Niakaya, dont Afia, où on parle également de 4 maisons et de plusieurs autres cases détruites.